robot, la corde à sauter c'est pour les enfants, oh j'ai mis sur les enfants, oh arrête ça très très vite, arrête. Sache à partir d'aujourd'hui que la corde à sauter c'est un excellent moyen pour perdre le poids. 15 minutes de corde à sauter équivaut à 45 minutes intenses de cardio. Lorsque tu pratiques la corde à sauter, tu combats aussi la cellulite. Ça te permet aussi de perdre le poids parce qu'en faisant des petits sauts, eh bien, le bas du corps se tonifie pendant que le haut du corps se gaine automatiquement. C'est pas bien ça? Alors, si tu n'as jamais fait la corde à sauter, je vais te montrer comment tu pourras procéder. Première chose à faire, rassure-toi que ta corde à sauter a la bonne longueur. Comment faire? Je mets un pied à l'intérieur et l'extrémité doit juste m'arriver là, au niveau des aisselles. Là, on est à la bonne longueur. Si c'est ta première fois de réaliser la corde à sauter, je te conseille toujours de commencer comme ceci. Tu vas faire des petits sauts. Lorsque tu vois la corde passer devant toi, comme ceci, là, tu fais un petit saut. Là, hop, hop, là. Ok? Tu pourras faire des petites variations comme ça. Là, là, là. On n'est pas bien là, les amis. Allez, on n'est pas bien là. Et maintenant, tu passes aux choses sérieuses. Donc, maintenant, ce que tu pourras faire, c'est tout simplement ceci. Tu ramènes les bras légèrement le long du corps. Et là, on peut commencer. Tu vas toujours à ton rythme. J'insiste là-dessus. Donc là, ah, tu vois, tu fais des petits sauts. Comme ceci. Tu vois qu'aujourd'hui, tu es là. Demain, tu pourras être là. Ok? C'était tout pour cette petite vidéo. Si toi aussi tu veux que je t'aide à perdre 5, 10, 15, 20, 30 kilos sans cardio, sans régime, à ton aise, mets-moi go dans les commentaires rapidement.